DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Espagne-Marignon va retrouver la Ligue des champions de la CAF la saison prochaine, soit 3 ans après sa première participation. Les unionistes de Kindou se sont rassurés de terminer à l'une des deux premières places de la Ligue 1 en s'imposant hier à domicile devant le tout-puissant Mazembe sur le score de 2-0. Une victoire historique, la toute première de Magnemaïgnon devant le tout-puissant Mazembe qui restait le dernier club, grand club en tout cas, de la RDC que l'équipe de Kindou n'avait pas encore réussi à battre. Les deux buts du match ont été inscrits par Agé Bassiala sur un magnifique coup franc à la 55e minute et Dieu merci Loupini d'un retourné acrobatique à la 84e minute de jeu. Grâce à cette victoire, la Espagne Maïgnon totalise 29 points et revient à 3 points du tout-puissant Mazembe, leader avec 32 points. Les deux équipes doivent encore jouer un match chacune. Magné Maïgnon doit recevoir la formation de Lubumbashi Sport à Kindou alors que le tout-puissant Mazembe doit recevoir les aigles du Congo à Lubumbashi. On écoute la satisfaction de Papi Kimoto, coach de la formation de la Espagne Maïgnon, fier de son équipe, fier d'avoir réalisé une grande saison. Je remercie le bon Dieu qui nous a permis de faire une si magnifique saison. On a travaillé dur, on s'est lancé dans ces projets il y a de cela 2 ans, et avec l'objectif de faire progresser nos jeunes joueurs. Aujourd'hui, je pense que mes joueurs ont compris mes messages que je donnais. Ils ont compris la philosophie, parce que terminer mieux comme ça contre le TP Mazembe, le plus grand club congolais de tous les temps, on n'enlève rien à ce mérite. Je les félicite, ils sont des champions. Et je suis très content de mes joueurs. Je suis très content pour la province de Maniema. Et j'espère que ça va être comme ça, avec des ambiances comme ça tous les soirs la saison prochaine. Et je pense aussi rester ici au Maniema encore une année de plus, parce qu'on avait un projet de 3 ans. Ça doit se terminer la saison prochaine. Donc je suis très content et en même temps, je me sens fier de moi. Je suis fier d'être leur entraîneur.
Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AS Maniema Union, Papi Kimoto Kitankoy, du côté du tout-puissant Mazembe. On reconnaît la supériorité, en tout cas sur le plan du jeu sur le terrain de l'adversaire. Lamine Ndiaye a donc félicité la formation de l'AS Maniema Union. Aujourd'hui, ils méritent leur victoire amplement. Nous, on a été en dessous de tout. Donc, ça sent la fin de saison. Et c'est pas une raison de se laisser aller comme on l'a fait aujourd'hui. Mais ça enlève en rien leur victoire parce que de mérite. Ça, c'est, je vais pas minimiser la défaite de l'adversaire. C'est pas, quand on joue au foot, c'est pour gagner. On était venu pour gagner. On n'avait peut-être pas les armes parce que mentalement, on n'était pas prêt à faire les efforts qu'il fallait. On joue à l'extérieur. Donc, encore une fois, Maniema mérite largement ça. Voilà, c'était là le coach de formation du tout-puissant Mazembe, Lamine Ndiaye. Il n'y a pas eu que ce match à Kindu, c'était le choc du dimanche. Oui, mais il y avait un autre match à Lubumbashi et la surprise, la victoire de la formation de Zaigle du Congo devant la formation du FC Saint-Éloi Lupopo, 2-1. Les Lumpas avaient pourtant ouvert le score par Patuka Bangou avant que Djoumekou Maxwell, ce Camerounais de l'AS Maniema, la formation des Aigles du Congo, n'égalise pour le Samouraï. Il a inscrit un deuxième but pour la formation de Zaigle du Congo. 2-1. Maxwell Djoumekou, 8 buts marqués dans cette phase de play-off. Il est parmi les meilleurs buteurs de cette phase de play-off. Une victoire importante pour la formation de Zaigle du Congo qui compte désormais 20 points et prend la 4e position devant la formation de l'ASV Club. Donc, les Zaigle du Congo vont jouer contre la formation du tout-puissant Mazembe ce 29 mai à Lubumbashi pour clôturer le championnat. Et Donc, voilà, les Aigles du Congo qui pourraient engranger d'autres points. C'est donc une déception pour la formation du FC Saint-Éloi Lupopo qui termine le championnat sur une note négative avec donc cette défaite face à la formation du FC Les Aigles du Congo. Si le championnat se termine sans pour autant qu'il y ait de dossier à la Ligue nationale de football, Lupopo sera qualifié pour la Coupe de la Confédération. Au cas où il y a des dossiers en faveur de la formation des Aigles du Congo, l'équipe de Kinshasa pourrait donc en bénéficier. Allez, on va... Talami, Lubila Katembo, Andy Talami, c'est très bien combiné par les oranges. Lubila, le centre des Lubila Canams. Attention, Mambembe! 6e minute de jeu, et l'ouverture du score de l'Océan Sanche du Congo. Lodi Mambembe! J'aime bien ces centres des Lubila, Canafs qui se loupe en première intention. Et ensuite, c'est Mambembe qui était derrière. Canafs pour Dita Larmi. Dita. La perte des balles de Dita Larmi et Flocon du Laman avec Junior Boukone. Dans sa position préférée, Koné pour remettre les pendules à l'heure. On but partout ici en Saint-Étienne Raphaël. Henri Foix, c'est le but des Koné Junior. Il adore ce genre de situation, l'Ivoirien Junior Boukone. Sizomo Sengo, Junior Boukone. On une touche pour Bomola Vigas. Bomola. La passe des Bomola, Junior Boukone. Il y a faute. Oui, la faute de Mokembe sur Junior Boukone. Penalty pour DSMP. Bingy Bello face à Luzolo. Contre-pied parfait. Le deuxième but de Darwin Club Moutema Pembe. Signé Bingy Bello. L'avant-centre. DSMP qui prend désormais l'avantage dans ce derby. Voilà, nous sommes maintenant au stade de Raphaël où c'est derby! Le derby quinois! Le derby fratricide avec l'égalisation de la Renaissance du Congo! Allez, on va parler de la Ligue 1 toujours, mais cette fois-ci, on parle de play-down avec le derby fratricide qui a eu lieu hier au stade Tata Raphaël. 2-2 entre le Daring Club Motema Pembe et la formation de l'OC Renaissance du Congo. Avant cette rencontre, Rangers a fait jeu égal avec Céleste, 0-0. Kouyaspor a été battu par Étoile du Kivu sur le score 1-0. Alors, le nul entre Dessampé et la formation de l'OC Renaissance
puissance du Congo ne profite vraiment pas à l'une ou l'autre équipe, puisque Desimpe compte 4 points, Renaissance du Congo un seul point. Les deux équipes, pour l'instant, sont relégables donc pour descendre en Ligue 2, puisque les classements est dominé par la formation des Rangers après 3 journées, 7 points plus 4 de goal à virage, suivi de Kouya Sport 6 points plus 2 de goal à virage, Étoile du Kivu 6 points moins 1 de goal à virage, Desimpe justement 4e 0 goal à virage, Céleste FC 1 point moins 2 goal à virage et la formation de Renaissance, aussi Renaissance bien sûr, 1 point moins 3 de goal à virage. L'avant-dernière journée de cette phase de play-down aura lieu ce mardi, donc demain, aussi Renaissance affrontera la formation d'Étoile du Kivu, à Kouya Sport va matcher la formation de Céleste, Desimpe va matcher la formation des Rangers. Rangers, en cas de nul face au Desimpe, va se maintenir en première division. Étoile du Kivu et Kouya Sport également sont tout proches du maintien en première division du championnat national.